Ouais, bah 10 jours, ils marchent un peu sur l'eau, hein, mais en même temps, c'est mérité. Hein. Très honnêtement, moi, j'ai vu ce qu'ils ont fait en Leaders Cup, je vois ce qu'ils font ces derniers mois, ces dernières années, parce qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est un peu la récompense. Ce qu'ils récoltent aujourd'hui, c'est la récompense de ces dernières années. Hein. Travailler dans la continuité, travailler dans la tranquillité, dans la sérénité, dans le sérieux, voilà, c'est ce qui dégage un petit peu aujourd'hui. Bah voilà, une équipe qui est bien dans sa tête, qui défend fort, qui attaque bien. On a toujours parlé de Dijon défensivement, mais offensivement, ils proposent des choses aussi. Hein. Il y a vraiment beaucoup de talent. Voilà, donc quoi vous dire de plus? On va dans une équipe, on va faire ce match sans aucune pression. On sait qu'aujourd'hui, ils sont capables de battre tout le monde. Ils l'ont bien montré sur ces trois jours de Leaders Cup. Donc voilà, nous, il faut aller s'occuper de nous, voir ce qu'on est capable de faire sur l'équipe en forme du moment. Ça, c'est bien aussi. C'est bien de niveler un peu notre niveau et puis voir ce qu'on est capable de faire contre ces gros armadas. Donc on y va sérieux, on y va avec beaucoup d'ambition, mais sans aucune pression. Voilà, on verra, on va se comparer à la meilleure équipe du championnat actuellement. Et ça, c'est super intéressant. Après, est-ce qu'on est capable de le faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est capable de les inquiéter? Ben, on va voir. Et nous, la seule chose qu'on veut, c'est les forcer, eux, à faire un très très bon match s'ils veulent nous battre. Maintenant, voilà. J'ai beaucoup beaucoup de respect pour cette équipe. Et en tous les cas, je suis content d'aller à Dijon dans très peu de temps.